Alors effectivement, il y a un petit peu plus de 10 ans, j'étais à ta place et j'interviewais Jean-Pierre Astolfi, qui a été le premier de la série. Je voudrais dire que les enseignants que j'ai interviewés, les chercheurs, sont des gens qui ont énormément compté dans mon parcours professionnel. Et j'avais donc eu envie de les présenter un peu à tout le monde. Et d'où la série qu'a fait Éducagri. Alors moi, je fais un peu figure d'exception dans cette série, parce que les précédents, ce sont des chercheurs. Et moi, en fait, je suis une prof qui a commencé sans formation pédagogique et qui s'est laissée assez rapidement interpeller par les difficultés de ses élèves. Et je ne supportais pas, notamment, toutes les remarques qu'on leur faisait en conseil de classe et dans les bulletins. Et l'idée m'est venue que peut-être je devrais aller me former.